Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci il ne s'agit pas du tout d'un haul. Heureusement, il s'agit d'une vidéo sur mes produits terminés. Parce que là, autant vous dire que j'en ai accumulé. Vous me dites, je dis ça à chaque fois. Mais là, je peux même pas vous soulever le panier pour vous montrer tout ce qu'il y a parce que ça va tomber de partout. Donc je crois qu'on va faire vite. Parce que sinon, on y sera encore demain. Sauf si effectivement vous avez envie de rester avec moi demain à ce moment là, bon on peut faire comme ça hein. Alors au niveau des produits terminés, j'ai beaucoup de gel douche comme d'habitude. Mais j'ai également des shampoings, des soins pour les ongles, des bougies, des lingettes, j'en passe et des meilleurs. Donc je crois que je vais vous montrer ça tout de suite. On commence parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors on va déjà commencer par ce que j'ai le moins, c'est à dire une bougie. Donc c'est une bougie Yankee Candle à la fraise. Donc celle-ci c'est la Street Strawberry. Donc c'est une petite jarre. J'ai craqué sur les Yankee Candles. Je vous avais fait une vidéo exprès pour ça. Du coup j'avais envie de me prendre des jarres. Et j'ai acheté plusieurs jarres. Et j'avoue que je suis hyper déçue. Les petites jarres ne sentent à rien. C'est un truc de dingue. Les petites jarres ne couvrent pas du tout une pièce ou autre. Enfin, pourtant, voilà, j'ai pas des pièces, j'habite pas non plus dans un château, mais je trouve pas que ça sente particulièrement, donc j'étais un petit peu déçue. Donc, je rachèterai des Yankee Candle, ça c'est sûr, surtout que l'odeur Street Strawberry, j'adore, mais je rachèterai pas du tout des jarres. Je rachèterai pas. Ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai terminé enfin mon shampoing sec de chez Baptiste. Alors je vous dis enfin parce que j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci, autant les autres ça s'est très bien passé. Mais celui-ci, oh là 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 là, il fait les cheveux blancs, il fait une touffe sur la tête, on ne peut pas du tout, enfin j'ai l'impression d'avoir les cheveux de sorcière quoi. Voilà, mais, à force de l'utiliser, bon déjà l'odeur est super agréable, à force de l'utiliser je me suis dit, oh là là, mais en fait... c'est super top ces trucs là et je pense que je serai amenée à en racheter. Bon après il faudrait que je teste d'autres marques et que pourquoi pas je me retourne plutôt sur les autres de cette gamme là parce que celui-ci il était pas terrible. Je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux, donc c'est un masque Garnier Ultra Doux. Celui-ci c'est à l'huile de Monoï et Neroli. Alors, comme j'avais dit dans mes tops, j'étais super étonnée de moi-même d'avoir du coup d'avoir aimé cette gamme parce que franchement, ils sont terribles. Enfin, les shampoings et tout ça, j'ai pas aimé, mais par contre, les masques, j'ai adoré. Enfin, du moins celui-ci, j'ai adoré. Donc, bien sûr, je l'ai racheté. J'en ai même repris d'autres pour vous dire. Mais ils disent voilà, masque réparateur après soleil, et je trouve que ouais. Bon après. Il est pas bio, il est pas tout ça, mais bon, je trouve qu'il se démerde pas mal. Je rachète. Ensuite, j'ai fini ce combo de shampoing et après shampoing, le petit Olivier à la pêche blanche aux fleurs de vigne. Je passe vite fait dessus parce que je vous en avais déjà parlé dans mes tops et mes flops. J'ai pas du tout aimé. L'odeur vire sur la tête, c'est affreux. Ça fait les cheveux tout emmêlés, tout, voilà, ça démêle pas, c'est pas agréable. Et voilà, donc... je lui ai rien trouvé de spécial à celui-là, mis à part le fait qu'il m'emmêle les cheveux. Voilà. Donc c'est un très très mauvais point pour lui. Je rachèterai pas. Ensuite, dans le swap que j'avais fait avec Hélène LC, j'ai eu ce shampoing d'Elise Bio de chez Timothée. Hein, voilà. Cheveux secs ou abîmés. Alors franchement, ça aurait pu être un de mes flops. J'ai pas du tout aimé. Franchement, pareil, il m'abîmait trop les cheveux. Enfin, c'est pas qu'il m'abîmait trop les cheveux, c'est que ça me faisait les cheveux tellement rêches, tellement. C'était pas agréable. Pourtant, l'odeur, j'ai bien aimé, mais. J'ai vu qu'ils en vendaient à Stokomani et franchement, je retenterai pas. J'ai testé au moins, donc j'ai vu ce que ça donnait. Je l'ai fini complètement, mais. Mais j'ai pas été plus super ravie que ça, plus emballée que ça. Je n'achèterai pas. Bon bah on va commencer les gels douches hein. Je vais me dépêcher. Premier gel douche que j'ai fini c'est celui de chez Yves Rocher au cacao framboise. Il est terrible, il est terrible. Je voulais pas le finir tout de suite parce que c'est plutôt des odeurs hivernales. Mais en même temps on a eu un été hivernal.
Donc je me suis dit, bon allez, de toute façon ça changera pas grand chose. Donc de toute façon j'allais pas attendre cet hiver pour le finir. Et dommage qu'ils aient pas sorti ça en collection permanente. On va bien le racheter. Ensuite, dans la gamme Dop, alors j'ai fini celui au pain d'épices. Celui-ci c'est mon préféré, il déchire. Il sent trop le pain d'épices, franchement on a envie de se mordre après. Alors je vous conseille pas de vous mordre parce que vous risquez de vous faire mal et puis c'est pas super top. Mais si vous aimez le pain d'épices, foncez, je vous assure, ça a vraiment l'odeur du pain d'épices, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un gel douche qui sent ça. Enfin, en même temps, je vois pas beaucoup de gel douche qui sentent le pain d'épices. Je le rachète. Toujours chez Dop, celui au coca. J'en ai fini plusieurs, vous allez voir. Celui au coca, pareil, celui-ci, j'ai adoré. Oh là là, pour ceux qui sont fans de coca comme moi, foncez aussi, c'est trop bon. Si vous essayez de vous sevrer du coca, oubliez. Le prenez pas parce que vous allez vouloir en boire. C'est pas recommandé non plus. Je le rachèterai. Ensuite, j'ai fini celui à la pomme d'amour. J'ai adoré. Il sent vraiment, il est terrible, il sent vraiment très très bon. Du coup il a même détrôné le Dop, enfin le cottage à la pomme d'amour que je vais vous montrer parce que je l'ai fini aussi. Je trouvais qu'après le cottage il sentait moins bon parce que celui-ci je trouve qu'il sent encore plus bon. Pourtant les Dop à la base j'étais pas fan, mais bon il y en a quelques-uns qui se sont quand même bien démarqués. Je le rachèterai. Le dernier Dop que j'ai fini c'est celui donc au caramel. Bon alors celui-ci il est terrible, il sent super bon, mais il détrône pas le cottage au caramel. Donc voilà, j'ai voulu tester, j'ai testé. Pourquoi pas? Non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai... alors, j'ai pas tout à fait terminé, je me suis un peu forcée en fait. C'est le gel douche gommant que j'ai eu dans le swap avec LNLC. Alors celui-ci, c'est à la mangue, voilà, c'est ça. De chez Triacle Moon. J'ai pas du tout aimé l'odeur en fait. Je sais pas. J'ai eu un souci avec ce gel douche gommant. Donc j'ai essayé de le finir mais j'y arrive pas. Franchement il me booste pas. Je crois que c'est bien la première fois que ça me fait ça avec un gel douche. Pourtant je suis pas non plus difficile. Mais celui-là je sais pas, j'y arrive pas. Je le rachèterai pas. En parlant de pomme d'amour, donc le cottage à la pomme d'amour. Alors celui-ci, bon bah vu que le Dop a détrôné celui-ci, bah je l'ai retrouvé à la fin sans plus. Alors qu'au début je trouvais qu'il sentait bon, mais si il sent bon, mais je sais pas, c'est pas comme le Dop. Donc du coup je m'en suis servie pour laver mes pinceaux. Voilà, je me suis dit bon bah on va laver les pinceaux avec, mes pinceaux sentiront la pomme d'amour. Mais finalement je trouve pas que ça sente la pomme d'amour. Je rachèterai pas. Mon chouchou, mon... Waouh, il détrône tout celui-ci, le cottage. Cerise noire et pistache, d'ailleurs j'en ai pas plusieurs. Non, j'en ai qu'un. Heureusement que j'en ai d'autres parce que je sais pas comment je ferais sans lui. Il est terrible, 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 terrible. Je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini ces gels douche en fait de chez Cottage. Il y en avait 3, je les avais trouvés chez Tati. Donc il y a le Sex on the Beach, le Pina Colada et le Daiquiri. Franchement ils sentent trop trop bon, ils sentent les cocktails. Je trouvais vraiment qu'ils sentaient les cocktails. Voilà, donc si cet été vous sortez au bord de la plage et que vous buvez un cocktail, bah en fait ça vous rappelle votre douche. Donc c'est plutôt agréable en fait. Alors je sais pas si c'est suivi, je pense que c'était une édition limitée, mais ils disent que c'est effet dynamique, voilà. Voilà, bah écoutez, ouais, c'est vrai. Mais ça apaise aussi le soir dans un petit bain, ça passe aussi. Rachèterai. Ensuite j'ai fini un grand cottage à l'huile de macadamia. Alors celui-ci j'ai détesté, toutes les huiles de toute façon de cottage je les ai détestées. Que ce soit le monoï ou autre, je les ai toutes détestées. Donc pareil, celui-ci m'a servi pour laver mes pinceaux. Je rachèterai pas. Toujours un cottage. Celui-ci c'est celui qui est au caramel. Franchement, il n'y a rien à dire. Juste sentez-le, vous allez comprendre. Il est terrible celui-ci. Il est... waouh. Il sent mieux, enfin il sent mieux. Je trouve qu'il a meilleure odeur que le Dop au caramel. Ouais, franchement, il déchire. Franchement, il déchire. Je rachète. Ensuite, j'ai fini le cottage coin et les vanillés. Alors, celui-ci, c'est mon top 2. Enfin, il fait partie de mon top 3. C'est mon top, enfin, c'est le deuxième. Il est terrible celui-ci, mais quel... Oh là, pourtant, j'aime pas le coin. Hein. Je l'adore, je l'aime, c'est un truc de dingue ce gel douche, il sent trop bon et il vous laisse une odeur sur la peau, oh, c'est un truc de malade,
allez-y, foncez, même si vous aimez pas le coin. Je vous assure, il y a une odeur, mais c'est un truc de dingue. On dirait du yaourt de je sais pas quoi. C'est terrible. Je le rachète. Dernier cottage, mais pas dernier gel douche, parce que j'en ai encore 2-3 à vous montrer. C'est celui au lait de réglisse. Bon, alors celui-ci, je le prends à chaque fois. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est super original. Ça sent, ouais, c'est vrai que ça sent le réglisse, mais en même temps c'est doux parce que ça sent pas la réglisse pure, ça sent le réglisse avec un petit peu de lait, je sais pas, c'est... Donc il passe vraiment très très bien, c'est... Je vous conseille effectivement de l'essayer, mais faut faire attention parce que celui-ci aussi on a envie de le manger. Je le rachète. Bon mon chouchou, j'arrête pas de vous en parler, mon label à la barbe papa qu'on trouve chez Intermarché, qui n'est pas cher du tout en plus... Je l'ai fini malheureusement, en plus donc bah j'en ai plus. Il va falloir que je retourne chez Intermarché, je pense, pour faire le plein. Je le rachète. Et dernier gel douche, celui-ci c'est une de mes abonnées qui me l'a envoyé de chez Yves Rocher. Donc c'est le fleur de tiare de Polynésie. J'ai beaucoup aimé, franchement. Je pensais qu'il allait plus sentir la fleur de tiare. En fait ça me rappelle à l'époque, il y a 10 ans de ça, même plus. Il y a au moins 15 ans de ça, quand j'allais chez Yves Rocher avec ma maman et qu'elle prenait des gels douche, ça me rappelle ça. Donc l'odeur n'a pas changé, c'est super. Mais je trouve que quand on le verse, il y a beaucoup de produits qui sortent, donc faut faire attention, faut bien gérer. Je le rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel douche intime de chez Nivea. Franchement, il était sympa celui-ci. Après, voilà, ça reste un gel douche intime. Et bon bah il a bien fait son boulot hein. Après je sais pas trop ce qu'on attend d'un gel douche intime, mis à part le fait qu'il voilà, il n'y a pas de pH etc, donc c'est nickel. Donc bah écoutez, foncez, pourquoi pas. Je le rachète. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. Je vous ai même gardé le dentifrice quoi. J'ai terminé le Colgate Max White One avec des micro cristaux dedans. Franchement il est bien celui-ci, au moins il n'a pas fait des traces bleues comme le Colgate machin je sais plus quoi là. Il est blanc donc voilà, il n'a pas sali mon lavabo. Et j'aime bien, je trouve que ça rend une haleine assez fraîche. Voilà, bon après j'ai pas de spécialement problème d'haleine, je pense pas. Voilà donc foncez, et je l'avais eu pendant les promos Leclerc donc ça valait grave le coup. Moi je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé des lingettes que j'avais également dans mon swap avec Hélène LC. Ce sont des lingettes à la noix de coco de la marque Bella. Alors il y a combien de lingettes maintenant? 50 lingettes. Et il y a encore l'odeur, ça sent super bon, c'est un truc de dingue franchement. Je sais plus où elle avait trouvé ça. Et je crois qu'elle avait trouvé chez Nose il me semble. C'est pas bien, tu fais tes achats chez Nose? Vilaine. C'est un petit clin d'œil, hein, vous inquiétez pas. J'ai rien contre les gens qui font leurs achats chez Nose, au contraire. Allez-y, c'est super. Donc franchement c'est super ces lingettes là. Ça m'a suivi un petit peu partout dans la maison, quand je me maquillais, voilà. Donc j'aime beaucoup pour de temps en temps si j'ai envie de me rafraîchir les mains, à glisser dans le sac. Donc super, foncez. En plus ça doit pas être super cher, donc c'est pas mal. Je rachèterai. Ensuite j'ai terminé des parfums. Mon parfum Chloé, mon parfum chéri que j'adore. Voilà, cette odeur est juste terrible. Heureusement que j'ai de la famille qui est partie en Espagne et qui a pu m'en prendre plein, parce que là-bas c'est super pas cher. Voilà, donc il me manquait trop. Ça va, j'ai pas trop attendu longtemps sans le... Je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un petit parfum de poche comme ça de chez Sephora. Celui-ci c'est Cranberry Litchi. Pareil, j'ai bien aimé l'odeur de celui-ci, franchement. Et pour une fois il a tenu, alors que ces petits trucs-là sur moi ça tient pas. Pour une fois la tenue, donc voilà. J'en ai encore plein d'autres à finir qui sont par là. Et donc je pense que vous les reverrez également dans mes prochaines vidéos. Mais ils sont pas mal. Alors par contre ils n'existent plus dans ces parfums là. C'était l'ancienne collection. Ils avaient tout soldé à 1€, même pas. Donc j'avais foncé, j'avais tout. Je rachèterai. Ensuite j'ai terminé pas mal de produits pour mon visage. Donc j'ai terminé une eau aromatisée à la rose de chez Christian Lénard. Et j'utilise matin et soir sur mon visage une fois que je suis démaquillée, etc. pour rafraîchir ma peau. J'adore et je sais pas, je peux plus faire sans, j'arriverai pas à m'en passer franchement. C'est vraiment terrible. En plus, il y a d'autres senteurs. Alors le bleuet il pue apparemment, faut pas le prendre. Vous avez tiare et vous avez fleur d'oranger et apparemment ça sent très bon. Donc bon, moi j'adore l'eau de rose donc...
forcément j'ai craqué. J'ai déjà racheté ça. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant pour les yeux biphasé de chez Cils des Masques de Jomé. Pour les yeux, pour le maquillage waterproof. Bah moi j'aime bien, franchement j'aime bien, il y en a qui sont mitigés par rapport à ça. Moi franchement je l'aime beaucoup, donc je vous conseille effectivement. Si vous voulez un démaquillant pour les yeux pas trop cher, foncez. Je trouve que ça démaquille assez bien et ça me pique pas les yeux, pourtant je suis très sensible au niveau des yeux. Je l'ai déjà racheté. Toujours en soin, j'ai terminé une eau micellaire démaquillante de chez Barbara Gould. Celui-ci je l'avais eu dans un swap avec Christelle, une de mes copines. Il est terrible, franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc en plus il m'a duré super longtemps, je crois il m'a duré au moins 6 mois. Donc enfin peut-être pas 6 mois parce que je l'ai fini maintenant, je l'ai eu au mois de mars il me semble. Enfin bref, là n'est pas la question. Et donc vous pouvez le trouver en grande surface, il est pas trop cher il me semble, donc foncez si vous avez besoin d'un démaquillant sympa qui agresse pas votre peau. Je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé ma Bioderma, donc ça j'étais mon micellaire pardon Bioderma. Franchement elle est terrible celle-ci, elle est terrible. J'ai eu peur en la terminant, je me suis dit mince, j'espère que, parce que j'en ai pas racheté tout de suite, je me suis dit j'espère que ça, ma peau va pas faire une réaction si je mets autre chose dessus. Et finalement je l'ai remplacée par l'eau de rose et ça s'est super bien passé. Mais je vous la conseille si vous voulez une peau saine, voilà, foncez pour la gamme Bioderma. Ça se trouve en pharmacie, en parapharmacie. Par contre je trouve que c'est assez cher quand même. Je rachèterai. Et mon chouchou, désincrustant point noir, lotion nettoyante de chez Neutrogena. J'arrête pas de vous en parler, ce soin a complètement changé ma vie, carrément. Non il est terrible, il est terrible. Si vous avez des peaux imperfections avec des points noirs ou voilà, mettez ça dessus, je vous jure, c'est un truc de dingue. Alors au début ça pique, ça fait tout bizarre, hein. Mais moi je peux pas m'en passer. Après bon bah j'ai jamais eu d'acné ou voilà, j'ai jamais eu de boutons sur le visage, mais j'ai vu la différence, ça resserre les pores, c'est un truc de dingue, moi je ne peux plus du tout m'en passer. C'est simple, la dernière fois j'en avais plus, j'ai fini mon Biactol, oh là là là, catastrophe. Ça avait rien à voir, ma peau était totalement différente. Après j'ai remis ça, ma peau m'a remercié tellement c'était mieux. Je rachèterai. Tiens, j'avais oublié un gel douche. Un gel douche de chez Lush. Alors celui-ci c'est le Ponche. Ouais c'est ça, j'ai essayé de me rappeler l'odeur pour vous dire parce que c'est écrit en anglais. Ah ouais, oh là là, il sent trop bon, mais... Quand on va chez Lush, on sent plein d'odeurs. Il y a plein de choses, donc on ne sait jamais quoi prendre. On dit bon, bon. Mais après, une fois qu'on l'a chez soi et qu'on l'utilise, on devient complètement accro. Alors que bon, l'odeur sent plus parce qu'on a tellement sorti de trucs dans le magasin que du coup, on ne sait plus trop quoi prendre. Moi, je vous conseille leur petit gel douche comme ça. C'est... Par contre, ça dure pas longtemps, hein, franchement. Mais bon, ça, c'était une édition limitée et c'était... il y a écrit orange, citron... inspiré du punch mexicain. Voilà, ok, je comprends mieux cette odeur de fruits qui nous monte à la tête. Je rachèterai. Ensuite j'ai terminé mon déodorant Dove, le déodorant Abby, parce que moi je n'aime pas du tout les déodorants spray, je suis asthmatique, donc j'ai pas envie de faire une crise en mettant du déo sous les bras quoi. Voilà, tout ce qui est bombe on oublie chez moi. Moi de toute façon c'est Dove l'original. Il n'y a rien qui peut le détrôner de toute façon. J'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de chez Cora. Dissolvant doux sans acétone. Mais j'y crois pas sans acétone, hein, bien sûr. Parce que quand on le sent, voilà quoi. J'en ai même terminé deux, mais l'autre j'ai déjà acheté. Je dis, je vais pas vous garder tous les flacons. J'ai déjà assez de trucs à vous montrer comme ça. Alors franchement, c'est celui que je préfère de tous les dissolvants. Vous avez beau prendre un dissolvant de marque et tout ça, il fera exactement la même chose que celui-ci. Donc je vous conseille... celui-ci, si vous avez un Cora à côté de chez vous, n'hésitez pas à prendre les marques de l'enseigne. C'est moins cher et je trouve qu'ils font aussi bien leur boulot. Je rachète. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Carmex. J'en ai terminé deux aussi. Donc, je vous ai pas gardé les deux. Ça, c'est le sans odeur, voilà. Mais bon, il est mentholé. Moi, c'est pareil. Je peux pas faire sans Carmex. Franchement, j'y arrive pas. Faut que je m'en rachète là d'ailleurs parce que j'arrive au bout de mon stock et on n'en trouve pas partout. Donc voilà, foncez, c'est un truc dingue, il répare les lèvres, il hydrate les lèvres, c'est un truc de malade. C'est vraiment, comment j'ai fait avant. Rachèterai. Ensuite j'ai terminé deux poudres,
de chez Kiko. Alors j'ai terminé la 102 et la 100. Bon alors là il n'y a plus rien. Voilà, la 100, il en reste un petit peu mais elle se casse, c'est ça qui est chiant. Alors que la 102, bon elle est complètement partie. Ces poudres là sont pas chères, il me semble qu'elles sont à 9,90€. Et vous en trouvez souvent pendant les soldes et tout ça, les promos, ils font souvent des petites promos. Et donc du coup moi à chaque fois je prends, je fais mon stock. Et c'est terrible, je trouve que c'est bien, ça matifie bien la peau, ça tient toute la journée. Et voilà, donc foncez, hein. Franchement vous n'avez pas besoin d'acheter une poudre Guerlain à je sais pas combien, alors que ça, ça fait exactement le même boulot. Et c'est 5 fois moins cher. Hein. Je rachèterai. Ensuite j'ai terminé plein de soins pour les ongles. Alors déjà, je me sépare de ces deux vernis à ongles en fait. Ce sont les Corolorama de chez Je mets Maybelline en fait. C'est un combo pour faire une French. Vous mettez ça, ensuite vous mettez le blanc. J'ai pas du tout aimé. Et puis bon, bah comme ça fait un peu longtemps que je les ai, je vais les jeter. Je pense que ce sera mieux. Voilà, parce que là, j'avais pas trop aimé ce principe en fait de mélanger, enfin de mettre d'abord la couleur. Enfin oui, je sais plus m'exprimer aujourd'hui. De toute façon, je n'aime pas faire de French sur mes doigts, donc c'est réglé, voilà. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit vernis de chez Yves Rocher. C'était la teinte neutre. J'ai beaucoup aimé celui-ci parce qu'en fait, il rend les ongles blancs propres. Enfin, pas blancs, mais une belle couleur blanc-rosé, vous voyez, sur l'ongle. Et franchement, je trouve que ça leur donne un aspect propre, voilà. Mais ça s'écaille trop vite, donc c'est un peu chiant. Et puis ça, les petits formats comme ça, ça part très vite. Alors là, c'est l'ancien packaging. Donc depuis, ils l'ont ressorti avec le nouveau. Bah moi, j'ai fini l'ancien. Je sais pas si je rachèterai, parce que j'ai des choses qui ressemblent assez, assez beaucoup. Qui sont assez similaires à ce vernis. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ma base. Alors celui-ci, je l'adore. C'est un durcisseur de chez Beauty Intégral. Maxima Professional. Alors c'est une amie qui a réussi à m'en avoir, donc je ne sais pas du tout où on peut s'en procurer. Alors par contre c'est relou parce qu'il y a toujours un petit fond qu'on n'arrive pas à attraper, même si je penche le truc, j'en fous partout, donc j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment, je pense que voilà. Il est terrible, il fait les ongles, waouh, il donne une super belle couleur sur les ongles et il dure, voilà, et c'est super 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 top. C'est devenu ma base préférée. Même après, si j'ai envie de la mettre en top coat, voilà, je m'en servais pour ça aussi. Donc faut que je refasse mon stock là. Je rachèterai. Ensuite j'ai terminé mon sèche-vite de chez Essence, voilà, avec la petite pipette en fait. Bon après c'était pas un truc de ouf de ouf. C'est vrai que ça séchait peut-être un petit peu plus vite mon vernis, mais c'était pas le truc voilà, oh là là, si j'avais eu ça avant ça aurait changé ma vie. Non, pas du tout. Donc bon, c'est juste un gadget en fait. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé 3 bases de chez Kiko. Alors la première c'est la 3 en 1 Shine. Celui-ci il est trop trop bien, le 3 en 1 Shine, avec la couleur rose à l'intérieur. J'aime beaucoup, franchement il fait de beaux ongles, ça s'écaille pas donc c'est nickel. Et vous pouvez même le mettre par-dessus un vernis en top coat. Donc foncez pour celui-ci. Je rachèterai. Il y a également la base Strong Nail qui est vraiment pas mal. Pareil, mais alors après vous dire que ça me rend les ongles plus forts, non, pas, du moins pas les miens. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la base, en plus ils sont vraiment pas chers, donc ça vaut le coup. Je rachèterai. Ensuite, il y a le gel look. Alors celui-ci, il est plein. Parce que il vieillit trop mal, vous pouvez même pas le garder un mois ce truc-là. Dès que vous l'ouvrez, ça y est, c'est fini. Il fait des fils partout, c'est pâteux, on en fout partout, on n'arrive plus à se l'appliquer, il vieillit trop mal, même de toute façon on voit, c'est vraiment trop gel, voilà, de toute façon c'est un gel look. C'est vrai que ça faisait un effet un peu glossy sur les ongles, certes, un peu effet faux ongles, mais je trouvais que ça faisait plein de bulles après sur les ongles, donc c'était pas super super, hein. Donc voilà, j'ai décidé d'en séparer parce que là je peux plus l'utiliser, c'est affreux. Je rachèterai pas. Donc voilà pour mes produits terminés. Bon bah j'espère que j'ai pas été trop longue. Voilà, j'avais fait ça fait au moins 3 mois là que je mets de côté, donc je pense que voilà, hein, il y avait de quoi vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.